notre heureuse rencontre de ce jour. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans ce palais pour que nous échangeons en toute liberté des questions qui concernent le devenir de la SCJ. Depuis le 30 août 2023, notre pays écrit une nouvelle page de son histoire. Cette marche s'est traduite par des améliorations significatives dans tous les secteurs, éducation, santé, route, afin de répondre efficacement aux besoins légitimes des Gabonais. Cependant, force est de constater qu'en matière de fourniture, d'électricité et d'eau, les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Depuis un an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous n'avons jamais connu ça au temps des Divungi. C'est cette ISCG que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens ici présents. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la SCJ dont nous avons hérité et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays ou est-ce que vous aimez votre métier d'agent de la SCJ, ou c'est seulement se remplir pleinement les poches qui nous intéresse ici. Nous avons abordé le volet du passif. Maintenant, nous allons l'aborder. Les différentes actions menées par le CTRI pour soutenir la SCJ dans ses missions. Puis la décision de mettre la structure sous administration provisoire avant de finir par le plan Transfo 2025. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi une implication de certains agents véreux de la SCJ et dont nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de racketter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à la SCJ pour demander l'acquisition d'un compteur, on lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'ils sont en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer.
Une fois la codification faite, vous chargez vos tickets EDAN. Et vous avez le reçu de vos tickets. 2 ans plus tard, 3 ans, vous avez la SCG qui repasse sur le lieu en disant que votre compteur est frauduleux. Le Gabonais lambda qui ne travaille pas à la SCG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit qu'il est frauduleux. Et on vous colle des amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez et on va vous expliquer. Comment vous expliquer qu'un compteur frauduleux, où le client paye des tickets EDAN et qu'il les charge, et on vient vous dire que le compteur n'est pas reconnu à la SCG. C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure pour demander aux frères, aux sœurs qui travaillent à la SCG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la SCG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs. On vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la SCG. Et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1 500 000. N'est-ce pas du vol? Il en est de même pour les compteurs d'eau. Vous aviez des compteurs d'eau que vous installez. Et après, on vous dit le compteur a été volé. Vous déclarez le vol de ce compteur. Donc une perte que la SCG ne vous rembourse pas. 3 mois plus tard, on vous renvoie les factures de ce compteur à votre nom. Et quand vous refusez de payer, vous avez ce système. Si vous ne payez pas, on coupe tous vos compteurs. Donc il faut d'abord payer. Et là, le client paye. Et quand il finit de payer, il vous dit, mais je veux savoir quel est ce compteur qui est utilisé à mon nom. Vous êtes incapable de retrouver ce compteur. J'en ai payé les frais. Et même à Port-Gentil, on me dit, ton compteur se retrouve à Matanda. Je n'ai jamais construit à Matanda. Mais vous faites payer les factures. Et on les paye. Donc ce vol est organisé par vous-même sur les populations. Les clients n'ont pas d'eau dans leur ménage. Quand on ouvre le robinet, c'est juste de l'air qui sort. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Il faut qu'on se dise des vérités. Pour augmenter vos recettes, on vole les populations. Ça ne nous enchante pas. Il faut changer ses comportements. Et si vous ne changez pas, on prendra une décision. Un compteur, c'est un peu comme chez nous avec nos Motorola. Mettez le même système que les militaires. Quand j'allume mon Motorola, ça signale à l'état-major. Ça indique la position. Donc vous ne pouvez pas installer les compteurs dans la ville et vous dites que vous ne savez pas là où ils sont. C'est encouragé par vous-même. Malgré les recettes réalisées, la SCG ne parvient même pas à régler ses fournisseurs. C'est honteux. Quand on habite la maison de quelqu'un qui vous fournit les services, il faut les payer.
Vous ne pouvez pas faire 2 mois, 3 mois, vous louez la maison de quelqu'un, vous ne payez pas. C'est la même chose avec la société de patrimoine, il faut payer. La même chose avec Agrico, il faut payer. La même chose avec le CNE, il faut payer. Ils vous fournissent des prestations. Vous collectez de l'argent sur leurs prestations et vous n'arrivez pas à les payer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou vous vous mettez l'argent dans les poches. Vous prenez l'argent des collectes sur les ordures qui parfois ne sont pas reversées. Expliquez-nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous n'allons pas continuer comme ça. Beaucoup de redevances ne sont pas versées sur ces sociétés. Agrico, Société du patrimoine, CNE. Mais quand vous ne payez pas vos prestations, qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent de couper. Et là, on crie pour chercher les solutions. On réclame le 13e mois, quand on fait des entrées, qu'on a des recettes. Comment demander à une société qui ne fait pas d'entrée qu'on puisse lui payer le 13e mois? Et demander à vos responsables d'aller prêter de l'argent à BGFI pour venir vous payer le 13e mois. C'est encore créer la dette. C'est créer la dette. Le DG va à BGFI, il va souscrire pour 3-4 milliards pour venir payer le 13e mois. Mais vous êtes redevable vis-à-vis de la banque, donc vous créez une autre dette. Le CTRI vous a suffisamment accompagné. Je pense que nous avons payé 132 transformateurs, tel qu'annoncé par le ministre de l'Énergie, et que certains transformateurs sont déjà arrivés. Nous avons payé depuis cette transition 14 groupes électrogènes que vous avez installés dans les provinces. Donc, c'est des bénéfices pour vous. Vous n'avez pas fait de l'investissement. C'est nous qui le faisons maintenant pour vous. Parce qu'il faut vous aider. Mais quand il faut laisser les populations dans le noir, vous vous empressez de couper le courant. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de la SCG, vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis 2 mois qu'ils sont arrivés. Vous n'êtes pas des techniciens. Vous ne connaissez pas votre métier. Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Un homme militaire disait, c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Et on se plaint. Donc vous-même, vous êtes incompétent. Je ne peux pas être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov, au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. Parce que tous autant que vous êtes diplômé de Polytech. Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. 2 mois, on n'arrive pas à brancher 10 groupes. Et là, nous avons encore 7 groupes supplémentaires en mer qui sont en train d'arriver. Ce serait la même chose.
Donc pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes, si vous ne savez pas les brancher? Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre de l'Énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans 2 mois, ils vont trouver des lignes pour la raccorder. Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Donner une solution pour qu'on puisse avoir 150 mégawatts dans les 2 mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes fort pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapable d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là. À terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons maintenant. Vous devez m'échanger tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à d'autres. Oui, au temps des Divungi, on n'a pas connu ça. Et je le dis. Regardez les images qui vous ont été présentées. C'est honteux. Je veux même croire que vous faites boire des Gabonais de l'eau impropre à la consommation. Oui, quand on regarde les images, c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. La mise sous administration provisoire nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Regardez notre client. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indoundou. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte. Plus 4 ans à la société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits et c'est ton défi. Retrouver une trésorerie comptable positive d'ici 2025. J'ai dit, je t'accorde 6 mois. À la CNSS, il s'en sort. Donc, toi aussi, tu devrais t'en sortir dans les 6 mois. L'adoption du plan Transfo 2025.
Il est détaillé avec un tableau de bord que je vais te remettre à la fin. Sur ce tableau, tu as plusieurs axes. La stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. Transformation du bilan comptable de moins 30 milliards par an, actuellement à plus 10 milliards par an, et lutter contre les fraudes. L'amélioration de l'expérience utilisateur et service client sur toute l'étendue du territoire. La baisse du prix de l'énergie, comme le veulent les Gabonais. Tu dois trouver des mécanismes. La dissolution de tous les contrats des sous-traitants. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je t'ai dit, c'est le retour aux fondamentaux. Comme au début, c'est la SCG qui fait tout. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. À l'exception des fournisseurs du carburant, des gaz, des services d'entretien. C'est les seuls que tu dois avoir comme sous-traitants. Ceux qui vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir placer, c'est fini. On te mettra les moyens où tu iras payer les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000. On a réduit à 300. Et là, on réduit à zéro. Donc, tu mets l'essor. Il faut être courageux. Et tous les agents de la SCG, conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu me les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Pour vous accompagner et pour sauver la maison, ça fait 3 jours que j'échange avec les banquiers. Ils me proposent un plan d'appui budgétaire pour la SCG. Une enveloppe de 150 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA, sera disponible dans un mois et demi. Que l'on se mette tous au travail pour que ces mesures marchent. L'essor vers la félicité que les Gabonais attendent passe par la mise à disposition d'une plus grande capacité énergétique. On ne peut se prétendre un pays développé si on n'a pas d'énergie, si on n'arrive pas à fournir de l'eau dans les ménages. Et ça fait honte. Je vous dis, regardez ce que nous sommes tous en train de réussir pour les Gabonais. Comment ils sont contents. Comment ils applaudissent dans les quartiers. Et la tâche d'huile, c'est la SCG. Le CTR, il veut apporter de l'eau dans le robinet de tous les Gabonais. Cet objectif doit être perçu par tous comme un intérêt supérieur de la nation. Il se situe au-dessus des calculs syndicaux et des égaux inutiles qui n'ont jamais rien apporté à ce pays depuis plus de 64 ans. Vous faites la guerre. Pourquoi? Faites comme chez nous les militaires. Il y a un chef, on le respecte et on suit ce qu'il décide.
On lui donne un temps. Et il réalise ce qu'il peut réaliser. Parce que demain, vous aussi, vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas, ceux qui vous regardent, quand vous serez chef, ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups bas que nous appelons les peaux de banane. Maintenant, je vous invite à aller au travail, plus loin, avec abnégation et sérieux. Les Gabonais veulent voir des résultats. Ces résultats, on doit les apporter en l'espace de 6 mois. Monsieur l'administrateur provisoire, nous, gouvernement et CTRI, vous avons choisi parce que vous êtes un ancien président du conseil d'administration. 33 ans de boîte, plus 4 ans à la Société du patrimoine. Nous pensions que vous aviez l'étoffe et la légitimité de vos collègues. Et je vous l'ai dit, j'attends de vous le courage. Briser non seulement le système, mais de faire tomber toutes les têtes. Il faut des exemples. En coopérant avec les services spécialisés qui seront chargés de faire des audits pour que ces derniers rendent des comptes à la justice. C'est enfin notre essor vers la félicité et je vous remercie.